Tu vois cette canette? Aujourd'hui, je la plie, comme ça, sans aucun effort. Et puis, je t'apprends à le faire. En termes de matériel, c'est très simple. Il te faut ta canette vide, fais-toi plaisir, de l'eau, une pince adaptée à la canette, et de quoi chauffer cette canette. Dans l'idéal, des plaques de cuisson électrique ou au gaz, plaques vitro-céramiques, ça passe, mais pas d'induction, et surtout pas, c'est dangereux, surtout pas, au micro-ondes. Dans tous les cas, demande à un adulte responsable l'autorisation de faire cette expérience. Allez, c'est parti. Tu mets un petit peu d'eau dans le fond de ta canette, environ 1 cm. Tu chauffes jusqu'à ébullition. Il faut que la canette soit remplie de vapeur d'eau. Et ensuite, tu la retournes dans un bac contenant de l'eau froide. La vapeur d'eau dans la canette est brutalement refroidie. Et comme la canette retournée est fermée, la pression chute. La pression extérieure est alors suffisante pour écraser la canette. Allez, à toi de jouer. Pense à t'abonner et activer la cloche. À bientôt, prends soin de toi et de tes proches.